Chers internotateurs et chères internotatrices, amateurs d'anthropomorphisme, bienvenue dans cette éclatée TV où nous allons tenter une explication du jeu que j'ai là entre les mains et qui répond au nom de Mafioso. Il y a un jeu de mots là. Il y a un jeu de mots. Celui qui est conscient et au courant de ce jeu de mots, c'est Monsieur Bernard. Comment ça va, Monsieur Bernard? Mais ça va très 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 bien, Monsieur Fall. Tu es Monsieur Bernard de Super Meeple. C'est oui, écrit là. Absolument. Super Meeple. Tu es venu pour nous présenter Mafioso, un jeu de placement et d'influence, qui est un jeu signé Rüdiger Dorn. Oui, un inconnu dans le monde du jeu de société, quasiment. Oui. C'est illustré par Damien Kolbok. Oui. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties qui vont durer à peu près 60 minutes. Mais c'est oui. Bien ça. Mais oui. Tout est écrit sur l'écran là, ça fait un peu, ça joue à cache-cache, Super Meeple, tout est là. Voilà, 60 minutes la partie, parce que c'est un jeu un peu costaud. C'est un jeu qui ne vient pas de nulle part. Non, il ne vient pas de nulle part. Parce que là, j'ai une petite boîte. Oh là là. Et les plus anciens d'entre nous se souviennent de ceci. Ça s'appelle Louis XIV, un jeu édité par Aléa. Louis Croix-Bâton V, dis donc. Louis Croix-Bois, oui. Croix-Bâton V. C'est un Aléa sorti il y a quelques années de cela. Un excellent jeu à l'époque. Un petit peu plus de 15 ans. Voilà. Très typé à l'allemande. Comme on disait, chez Aléa, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Le numéro 1 de la collection. De la petite, c'était la petite collection. C'est ça. La grande étant en Puerto Rico, pardon, Fall. Qui n'a pas eu le droit à une version française. Exactement. Mais voilà que vous, chez Super Meeple, vous êtes les spécialistes des rééditions en français. Et oui. Vous avez donc récupéré les droits. C'est ça. Et vous nous le proposez. Sous un tout autre terme. Oui, parce que déjà, la boîte n'a rien à voir. C'est ça. Voilà. Et puis, ça peut être bien juste d'ouvrir la boîte de Louis XIV pour se rendre compte d'une déjà très, très grosse différence. C'est-à-dire que là, le jeu, c'était des petites tuiles. Alors, bon, alors ça, c'est d'époque. Ça sent le bon vieux temps. Ah, la traduction française de l'époque. Les errata qu'on trouvait sur Internet. Voilà, les erreurs de traduction, tout ce qu'on veut. Voilà. Changer le jeu. Et au départ, voilà ce qu'on a. Et alors, bizarrement, c'était même pas un jeu de plateau. Non, c'était des petites tuiles très agréables, des jeux de tuiles. C'est ça. C'est-à-dire baisser le prix au maximum. Mais l'époque a changé. C'est tout le contraire. L'époque, maintenant, demande de briller de mille feux comme un miroir de bordel. Écoute, je n'osais pas le dire. Petite référence culturelle. Mais oui, mais oui. On de la culture cinématographique. Bien, on va passer à l'essentiel. Je regarde ici pour voir s'il y en a au plafond, mais bon. Mafioso, rethématisé, ça reste le même jeu avec quelques modifications de règles. Avec quelques modifications. C'est ce que nous allons faire. Bernard, peux-tu nous expliquer comment cela fonctionne, toi, le ding-dong-dong, s'il te plaît? Eh bien oui, tout à fait. Je vais quand même montrer la règle, parce que c'est important que les gens se rendent compte de ce qu'ils ont à lire chez eux. Bien parce sûr. Que nous écouter, c'est bien. Mm-hmm. Les points de détail sont là. Les points de détail sont là. Voilà. Surtout qu'avec le stress, souvent, on en oublie. Oui, oui, oui. Alors ça peut paraître une règle très, très fournie, mais c'est parce qu'on a voulu absolument ne rien oublier, être sûr que le moindre petit cas est détaillé pour quelqu'un qui se poserait une question. Mais en vérité, on va se rendre compte que la règle va aller de manière assez simple, oui, okay. C'est ça. Donc ça, j'en ai pas besoin, je la pose là et j'ai envie de dire, allons-y, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Eh bien voilà, donc Louis XIV s'est retrouvé transformé, figure-toi, en Jojo les dents longues, ce qui est quand même, il a changé de tête, Louis XIV, là. J'ai ma petite caméra des portraits, je vais zoomer, zoom magique. Peut-être que ça lui va du bien. Et ça lui fait du bien, oui, ça le change un peu, voilà, dis donc. Voilà, c'est donc, c'est le parrain. Et alors, il se trouve que son second vient d'être arrêté. Il en a pris pour 20 ans. Il est maintenant à Alcatraz. Je dis bien rat, puisqu'on est sur de l'animorphisme, bien évidemment. Et il y a donc une place d'affranchi qui s'est libérée. Mm-hmm. Quelque chose me dit que, vu vos têtes de mafieux, ça vous intéresse. Pas lui, moi. Tu sais. Pas lui. Hein? Non, pas du tout. C'est en fait soi. Voilà, mafieux, tafieux. Ouais, voilà, exactement. Okay. Donc, le but, c'est d'essayer de se faire remarquer du parrain. OK. Le principe du jeu. C'est un jeu dans lequel on va jouer 4 tours de jeu. Okay. Voilà. Et chaque tour va être divisé en 4 petites manches successives. Une première phase qui va être la phase de revenus. Voilà. Ensuite, derrière les revenus, on va mettre la corruption à l'honneur. Puis, on va s'attirer les faveurs des personnages les plus influents de la ville, troisième partie. Et en quatrième, on va essayer d'aller prendre place dans les lieux d'influence de la ville et d'installer nos petits rackets, des petites choses sympathiques. Voilà. C'est la raison pour laquelle sur la boîte, d'ailleurs, on a mis à partir de 12 ans. Mais alors, on a pu le voir, des enfants de 10 ans dont les parents les avaient autorisés, à Cannes, ils jouaient très très bien. Okay. Voilà. Mais le thème n'est pas forcément pour les enfants. D'accord. Alors, le principe. Première phase, une phase de revenus. Alors, la phase de revenus au premier tour, elle est toute simple. Ce sont nos 5 zoolars de départ, sûr. Et oui, les zoolars, auxquels vont venir s'ajouter quelque chose qui va dépendre du tirage de cartes qui va être ici. Et puis, aux autres
tour de jeu, bien évidemment, parlons autrement, nous aurons par contre des revenus supplémentaires qui seront fonction de là où nous serons placés dans les zones d'influence. D'accord. Et on aura des raquettes, donc des revenus, forcément. Okay. D'autres dollars. D'autres dollars et d'autres choses, des avantages sur le jeu. C'est donc, hein? C'était pas MC qui chantait ça? Non, oui, MC Zola, MC Zola, oui, c'est je vois. C'est ça. Et aussi, si et tu Amy veux. Zola. Ouais, voilà. Bon, c'est pour aider les gens à comprendre la règle. Hein, ça, c'est ça. C'est ça. C'est beaucoup plus voilà. Simple comme ça. Bon, en tout cas, je vois que tu as la fibre. Hein, mais celle-là, il n'y a que nous qui pouvons la comprendre. Bien. Alors, le principe. À chaque tour de jeu, on va retourner une des 8 cartes qui est là. Comme c'est en 4 tours, on n'en retournera que 4. D'accord. Et cette carte permettra d'avoir 2 renseignements. Elle permettra de savoir, d'une part, sur quelle case va se poser le parrain, qui sera forcément la 1, la 2, la 3 ou la 4. Alors attends, parce que tu vas trop vite, il faut que tu remontes. Oui, cette carte. Cette carte nous indique. Ici, nous avons un chiffre. Qui est 4. Voilà. Donc 4. Il ira sur la 4. Dans le cas présent, elle sera sur la case numéro 4. Mais ça peut être 1, 2, 3 ou 4. Okay. Uniquement cela. Chacune existe deux fois. D'accord. Voilà. Donc il y a 2, 4, 2, 2, 2. C'est cela même. Okay. Ce qui fait qu'il peut très bien revenir dans la partie sur le même. On ne sait pas. Okay. Et en dessous, c'est les revenus pour ce tour-ci. D'accord. Donc dans le cas présent. 4 dollars. C'est 4. Donc on va rajouter 4 dollars à nos 5 de départ pour commencer la partie. Voilà, d'accord. Tout simplement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. OK. Voilà. Cette carte, on en tire donc 3 autres, bien évidemment, puisque pour la partie, il y a 4. Elles sont posées là et elles seront révélées autour. Celles-ci ne sortiront pas dans la partie. OK. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est la phase simple de revenu en attendant de se développer là-haut. D'en avoir là-haut. OK. Deuxième phase, la phase de corruption. Pour corrompre, nous allons avoir des cartes. Elles sont là, ce sont les cartes à dos noir. Okay. Les cartes corruption, que voit-on dessus? On voit tout simplement représenter les personnages qu'on trouve sur le plateau, les 12 personnages. Mm-hmm. Voilà. Avec à chaque fois le personnage et le numéro pour les retrouver. Tout simplement. Et les personnages se situent sur le plateau en escargot. Attends. Oui, j'attends que tu aies vu, absolument, voilà. Tout à fait. Surtout que Germain réagisse, bien c'est sûr. Son nombre. Voilà, voilà, voilà les personnages. Et donc, ici, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. C'est un escargot. L'ordre des numéros est important. Ok. Donc, sur la carte, on a le dessin et le numéro. Ok. Voilà. Et en dessous est représentée la faveur que le personnage est censé nous apporter si on arrive à le corrompre. D'accord. Ce même motif se retrouve sur le plateau. Alors, on va prendre un exemple, numéro 2. On voit ici que ça nous apporte normalement un permis de construire. Mm-hmm. Si je regarde maintenant sur le plateau, en face du numéro 2, j'ai le même dessin. Okay. Ça évite d'aller regarder en permanence sur le plateau. D'accord. Voilà, permis de construire à récupérer. Mm-hmm. Okay. Donc, pour jouer, nous allons avoir 5 cartes prises au hasard dans le paquet, chacun. Ouais. On va les jouer 1-1-1-1-1-1-1-1-1. Et on ne jouera pas notre dernière. Quand il ne nous reste plus qu'une carte en main, elle sera mise à la benne, elle ne sera pas jouée. D'accord. Voilà, on joue donc à tour de rôle. Comment fonctionne le système? Ces cartes, quand on les joue, ça veut dire qu'on va tenter de corrompre un personnage. Okay. Dans le cas présent, on va essayer de corrompre Madame le maire. D'accord. Ouais, ou la mairesse. Ça se dit. Bien, elle est ici. Comment fait-on pour la corrompre? On prend dans sa réserve personnelle de gemmes. D'accord. De 1 à 3 gemmes, okay. Ce que l'on veut, en principe souvent 3, mais des fois on n'en aura pas assez ou on préfère en garder pour autre chose. Donc de 1 à 3, qu'on va les placer, donc imaginons que j'en prends 3, sur le personnage. Tous ça on veut fait dire ça. Moi, je lui fais, c'est moi, ah, c'est j'ai toi joué qui cette carte. Ah, moi, pour j'ai moi, joué. J'étais en train, c'est moi qui l'ai ah, non, 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 tu oui. joues la carte. Enfin, j'ai joué la carte, je vais donc essayer. À partir de là, ça veut dire que je la corromps en essayant de lui mettre un certain nombre de gemmes. Mm-hmm. Et j'ai donc deux possibilités, soit les laisser dessus, mm-hmm. soit d'en reprendre ou une ou deux, et d'aller les proposer à un personnage avec lequel elle est en relation directe. Elle a un lien. Elle a des liens qui sont là sur les photos, sur le sous-main, okay. reliés par les petites ficelles. Mm-hmm. Donc imaginons que, en vérité, je ne vais lui en laisser qu'une, j'aime, et je vais aller en proposer deux ici chez le distillateur, okay. numéro 1, le koala. Mm-hmm. Voilà. Ou, à nouveau possibilité, je peux très bien décider de ne pas laisser celle-ci ici, et d'aller à nouveau égrainer, soit ici vers le syndicat des camionneurs, soit vers d'accord. le banquier, soit vers l'homme de main. D'accord. Petite règle donc à bien comprendre, on égraine en série, et pas en... mais pas en parallèle, c'est-à-dire je ne peux pas dire je pars de là, j'en envoie une là et une ici. D'accord, c'est clair. Voilà.
Voilà le principe. Ça, c'est la corruption. Ça, c'est la corruption. Et on fait ça trois fois. On va donc le faire quatre. On a cinq cartes, donc on en joue quatre sur les quintes. Pas la dernière. Sur les cinq, on ne jouera pas la dernière. Voilà. Certains joueront peut-être plus tard un tour de plus parce qu'ils auront peut-être gagné des cartes corruption, mais ça, on verra par la suite. Combien il y a de cartes de personnages ? Alors, chaque carte personnage se retrouve deux fois. Deux fois. Dans le paquet, tout simplement. Et à ceci s'ajoute ce type de carte, toujours d'eau noire, mais c'est la corruption non ciblée, secrète. Ça veut dire que là, quand je joue cette carte, je peux partir du personnage que je veux, et non pas de celui imposé par l'image, mais en contrepartie, je ne peux déposer que une ou deux gemmes et non pas trois. D'accord, je peux aller moins loin. Okay. Un peu moins loin, voilà. Okay. L'une comme l'autre de ces cartes, je peux à tout moment les jouer, non pas pour corrompre, mais pour me recaver, c'est-à-dire me refaire ma caisse noire. Mmh. Et dans ce cas, sur le plateau, nous voyons ici l'emplacement de notre réserve personnelle de gemmes, on ne va pas avoir tout au départ, on va en avoir sur le plateau. Je peux, en échange de la carte que je ne joue pas, que je ne joue pas, normal, je récupère trois gemmes de la réserve du plateau pour la mettre dans ma caisse noire. Si c'est la carte ciblée, c'est deux gemmes uniquement qu'on reprend de la réserve pour la ramener sur sa carte. D'accord. On la joue pour l'un ou pour l'autre. Voilà le principe de corruption des personnages. Deuxième phase. Deuxième phase. Alors maintenant, comment ça va se passer ? Ben, c'est-à-dire que moi, je vais en mettre, toi, tu vas en mettre, tu vas en mettre. Et donc, on voit bien, certains vont essayer d'aller esquiver les cases où les autres sont, d'autres, au contraire, vont venir lutter au coude à coude. Majorité, tout ça, tout ça. Majorité, tout ça, tout ça. Une fois qu'on aura donc tout joué, on arrivera dans la phase de résolution des faveurs. On va savoir qui aura obtenu ou non les faveurs. Ça va se résoudre comment ? Ça va se résoudre dans l'ordre des numéros. C'est pour ça que je précisais bien que ça avait un sens. On va commencer par résoudre la numéro 1. Et là, on va regarder qui est, et ça va dépendre. Majorité. Ça va dépendre de la petite tuile qu'on a posée dessus. Voilà. Qui est biface. Alors, on va en prendre une, peu importe laquelle. Tu vas pouvoir la monter à la caisse. Voilà. Elle est biface. C'est soit ça. Soit ça. Soit ça. Soit dans l'autre sens. Voilà. Donc, on voit que la partie droite ne change pas. La faveur attribuée est toujours la même. Le chiffre mais non plus. Et le chiffre non plus. Mais là, la partie gauche. Premier joueur. Voilà. Alors la partie gauche va changer. Et là, tu auras 3 dollars. Voilà, ça veut dire que ce sont les conditions pour corrompre qui seront différentes d'une partie à l'autre. À gauche, c'est la condition pour corrompre. Ah la vache. Si c'est sur cette face-là, seul celui qui aura mis le first, le majoritaire, qui aura le plus de gemmes, aura réussi à corrompre. Et là, donc il n'y en a qu'un qui aura. Il n'y en aura qu'un seul. Il faudra payer 3. Ici, peu importe combien on a mis de gemmes, mais du moment qu'on est placé, si on a envie et qu'on peut payer 3 dollars, on pourra corrompre. Et puis, il nous reste encore un cas, celui-ci. C'est des pierres précieuses. Il faut être capable de lui prêter momentanément deux pierres précieuses. Donc, on sort de sa bourse. Mais je vais maintenant l'expliquer en détail. L'important est donc de comprendre. Le placement de départ, il est totalement aléatoire. On les prend et on les place. Avec simplement une règle, on ne met pas plus de 6 petites tuiles sur la face premier joueur, majoritaire. D'accord. Il n'y a pas plus de 6 en face majoritaire. D'accord. Voilà. Donc, le principe. On regarde ici, donc, 3 cas. Argent, on en retrouve là dans le cas, dans ma distribution. On ici, donc, on résout l'action. On résout l'action. Ça, c'est donc à qui est capable de filer des sous. Comment ça se passe ? Celui qui sera le majoritaire en gemmes. Majoritaire. Okay. Paiera en gemmes, c'est-à-dire que ces gemmes iront dans la réserve et prendra la faveur attribuée. La faveur ici, le petit token bouteille. Ceux qui sont donc deuxième, troisième, quatrième récupèrent leurs gemmes et s'ils ont la possibilité, s'ils souhaitent monétairement donner 3 dollars, récupéreront eux aussi la faveur. Ils ont l'obligation de récupérer les gemmes. Oui. Ça, c'est obligé. Il les récupère. Par contre, payer, c'est facultatif. C'est exactement ça. C'est à eux de voir. Alors que le premier, lui, il claque ses gemmes. Il claque ses gemmes. Mais il ne paye pas. Voilà. Paye. Okay, alors, comprenons bien tout de suite dans le jeu. Okay. L'argent est un élément fondamental. L'argent, d'ailleurs, pourra être converti en point de victoire à la fin. Okay. Alors, tandis que les gemmes ne sont rien qu'une monnaie d'échange qui n'a aucune valeur. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup moins cher de payer en gemmes que de payer en argent. C'est bien ça le principe. Donc, ça, c'est le cas de l'argent. Ensuite, le cas des majoritaires. Facile, seul le majoritaire fera l'action qu'on a gemme. Et je viens de dire seul. S'il y a deux majoritaires, il n'y a pas de majoritaire. En cas d'égalité, personne ne l'a. Voilà. Et tout le monde récupère ses gemmes. Et tout le monde récupère ses gemmes. Bon, troisième cas possible. Prend une tuile et prend la tuile correspondante. Okay. Voilà. Troisième cas possible, donc celui-ci. Il s'agit de. On lui prête, il faut lui montrer qu'on a les moyens de ses ambitions. Donc du moment qu'on a immobilisé au moins pendant le tour deux gemmes, c'est pas la peine d'aller en mettre trois, hein, ça ne servirait à rien. Tous ceux qui auront réussi à en mettre deux, pourront récupérer la faveur et récupéreront leurs gemmes. Okay. C'est juste c'est un prêt. Voilà les trois modes. Okay. Donc maintenant, comment ça fonctionne ? Ici, là, les quatre du centre, on récupère les petits tokens qui sont sur les côtés.
De la bouteille, le trafic d'alcool, les permis de construire, des bijoux et, des armes, bien sûr. Ensuite, quels peuvent être les autres gains? Ici, les deux en opposition, 5 et 9. La tête du parrain. Le parrain, c'est la faveur du parrain, c'est la meilleure de toutes, c'est le joker. Ceci remplace n'importe laquelle des quatre tuiles en question, mais aussi compte comme carte parrain. On verra tout à l'heure, de temps en temps, il faut être capable d'en donner. Voilà, donc c'est le joker ultime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme gain? On a des gains qui sont ici et là. Là, ça veut dire que je vais gagner une carte corruption. Noir, j'attends que la caméra arrive dessus. Ouais, voilà, exactement. Okay. Donc, ça veut dire que j'en aurai une de plus. Okay. Donc, au tour suivant, je pourrais, par exemple, avoir un tour de plus pour corrompre que les autres. Voilà. Ici, je vais gagner une carte rouge, une carte d'indique. On va expliquer à la phase d'après ce que c'est qu'une carte d'indique. Des petits dessins représentant des quartiers. Alors, on va, si quelqu'un peut venir juste devant moi. Sinon, tu me les passes. Zoomer devant moi ou alors… C'est mieux. Ça y est, voilà, on les a. Voilà, voilà, voilà. Donc, les petits jetons ici qui donc ont un dessin de quartier de nuit sur la face d'eau ont tous sur leur face visible la représentation d'un des six quartiers de la ville. Bon, peu importe leur nom, on s'en fiche, ça ne sert à rien pour le jeu. Ils existent en 10 exemplaires dans chaque série. Au début de partie et à tout moment du jeu, ils sont donc tous face cachée. On va remonter dans la caisse, dans la réserve. Et il y en a 5 visibles. Sur l'agenda. Aléatoire. Aléatoire, bon là, peu importe. Voilà, il y en a 5 à tout moment. Et quand on a la faveur permettant d'aller chercher un quartier, on va, comme on le veut, soit en choisir un caché, soit un visible. Sachant qu'on les met devant soi, toujours face cachée, on les regarde quand on veut. Les autres n'ont pas à savoir ce qu'on a. Et on va le voir pour les points. Des histoires de collection vont donner des points supplémentaires. Voilà. Il nous reste à gagner encore quoi? Eh bien, il nous reste ceci. Alors, on va prendre par exemple celle-ci comme illustration, si tu veux bien nous la montrer. C'est la course au mouvement. Mais oui. Doucement, on n'est pas pressé, on a le temps. Voilà. Alors, ça veut dire, alors très important, sur le plateau de jeu, à chaque fois qu'une gemme est représentée en blanc, ça représente la réserve. À chaque fois qu'une gemme est représentée en noir, ça représente notre caisse noire, c'est-à-dire l'argent qui est devant nous. Okay, voilà, c'est le langage graphique du jeu. Donc ici, ça veut dire que je vais chercher, je te laisse deviner, je récupère une gemme de ta couleur que tu reprends dans ta réserve et tu en prends également deux de ta réserve que tu vas immédiatement aller replacer, et là, désolé, sur la numéro 5, c'est-à-dire, puisqu'on voit sa petite tête, sur la starlette, voilà, qui n'attend que de réussir grâce à des talents cachés, voilà, qui permet d'aller repositionner des gemmes supplémentaires. Voilà, on a la même chose ailleurs. Et alors, très important, quand on repositionne des gemmes, comme on a dit qu'on allait résoudre les faveurs dans l'ordre des numéros, deux solutions. Soit une résolution va me permettre de poser une gemme sur une case qui a déjà été résolue, auquel cas je suis déjà présent pour le tour suivant. Ou bien sur une qui n'a pas encore été résolue, et auquel cas, ça change la majorité peut-être au dernier moment. Pour la suite. Voilà le principe. On sait exactement comment fonctionnent les corruptions et donc les faveurs. Maintenant, la petite règle supplémentaire, le sel du jeu, c'est la présence du parrain. Le parrain ne peut être présent que sur les cases 1, 2, 3 ou 4. Sur la case où il est présent, la compétition est un peu plus âpre. Parce qu'on a tous intérêt à s'attirer les faveurs du parrain. Donc, les règles qui ont été énoncées restent les bonnes, mais sa présence annonce un niveau supplémentaire de gain. Si, dans le cas présent, je suis sur une majoritaire, ce qui est le cas actuellement du numéro 4. Le numéro 4, demande le majoritaire. Si je suis dessus et que je suis majoritaire, comme d'habitude, je vais payer en gemmes, je vais récupérer la faveur qui est attribuée, mais en plus, je gagnerai une faveur du parrain en supplément, c'est-à-dire donc j'aurai deux tuiles au lieu d'une. Le second, lui, bénéficiera de la faveur dans le sens que il ne paiera pas en gemmes, il récupère ses gemmes, c'est totalement gratos, et il récupère la faveur. Donc le premier a payé en gemmes, mais a reçu deux faveurs, second n'a rien payé, mais reçoit la faveur attribuée au personnage. Attention, cas des majorités. Maintenant, si sur cette majorité, il y avait deux premiers, ben, il n'y a pas de majoritaire. Et comme il n'y a pas de majoritaire, on reprend la règle normale, simplement, il y en a deux. Chacun paye en gemme, reçoit la faveur, mais n'a pas la faveur du parrain. C'est-à-dire que c'est les deuxièmes. Voilà. Si il y a bien un premier, mais qu'il y avait une égalité en deuxième niveau, il n'y a rien pour les seconds. Voilà. Le deuxième cas possible,
qui revient le même, mais on le réexplique. Si le parrain est sur une qui demande de l'argent, bien, le premier paye en gemme, reçoit la faveur attendue et une faveur du parrain. Le second, lui, ne paye rien, hein, pas de gemme, hein, et reçoit la faveur attendue. Le troisième. Les troisième et quatrième, s'ils sont présents, peuvent, s'ils le souhaitent, récupérer leur gemme et payer $3 pour avoir. Okay. Voilà. Et de la même manière, s'il y a égalité, on est dans les mêmes règles. Mmh. Voilà. Okay. C'est le principe du parrain. Ce qui met fin à la phase. Alors, donc on résout la 1, la 2, la 3. Quand on a fini de résoudre la 12, bien évidemment, on va passer à la phase suivante. Mais c'est là qu'intervient, j'avais dit, les cartes indiques. Alors, je vais te laisser montrer les cartes indiques. On peut avoir récupéré à un moment du jeu ces cartes indiques. Un joueur qui a une carte indique, là, bien sûr, dans son jeu, et les autres ne savent pas ce que c'est. Elles sont absolument toutes les mêmes au niveau de la base. Par contre, on voit qu'il y a la représentation d'un des 12 personnages dessus. Comment ça fonctionne ? Un joueur qui a une carte indique dans son jeu peut, au moment de la résolution du personnage en question, s'il le souhaite, juste avant de le résoudre, abattre la carte et dire « Ah, attention, j'interviens au dernier moment sur cette carte ». Et là, on va regarder les pictogrammes en bas. On intervient de deux manières possibles. Soit en prenant deux gemmes de la caisse noire à rajouter, en rajoutant sur le personnage. Soit une seule gemme de la réserve à rajouter sur le personnage. Okay. Moyen de changer la majorité au tout dernier moment. Bien les évidemment. Cartes sont remises après en jeu ou elles sont défaussées ? Elles sont remises en permanence en jeu. À tous les tours, toutes les cartes existent, bien okay. sûr. Absolument. Voilà. On arrive donc à la phase numéro la 4, la dernière, bien évidemment. Là. On n'a pas fait tout ça pour rien. On parce a que fait... jusque-là, c'était un peu chiant. Ben hein. ouais hein. On dirait du jeu à l'allemande. Oh là là là. On n'a pas corrompu pour rien. Alors, non. On va imaginer que après avoir corrompu, ouais. j'ai récupéré un peu de sous, j'ai récupéré un ou deux, trois petits tokens comme ça, voilà, j'ai récupéré des choses, et voilà mes gains. Et là, c'est le moment où on va donc essayer de partir sur le plateau du haut, les lieux d'influence de la ville. Comment ça fonctionne ? Chaque joueur va regarder à faire des associations, des paires de tuiles. On va regarder sur le dessin, je vais me permettre de m'avancer un tout petit peu, voilà. Ici, on voit que pour pouvoir prendre possession de ce lieu d'influence, il faut être en mesure de fournir un pistolet et n'importe quoi. Par exemple, ici, un bijou et n'importe quoi. Donc, je vais devoir faire des paires. Mais je ne peux pas aller dans cette partie-là du plateau. Je ne peux commencer exclusivement que... Oui. Je ne peux commencer que par... d'en rentrer la ville que par un de ceux-là. D'accord. C'est le principe. On suit la route. On suit la route. Donc, le principe tout bête, imaginons que je prenne ça et ça, par exemple. Je les associe là, le bijou et le pistolet pour n'importe quoi. C'est là que va intervenir, je te laisse en montrer un peut-être, un petit meeple gros bras. T'es gros. Hein, aussi musclé que moi. Enfin, t'es mafieuseux. Ouais, voilà, hein, attention, hein, c'est... T'es mafieux animé. Ah ouais, ouais, okay. Un des petits meeple particuliers. Et donc, je vais placer un meeple ici, pour dire j'en prends session. Mm-hmm. Et les deux petites tuiles vont tout simplement repartir disponibles pour le tour suivant. Ok. Ça, c'est la première chose. Si dans mon tour, je peux arriver à me placer à un autre endroit, j'en fais autant que je peux. Mm-hmm. Mon but, c'est d'en faire le maximum. Petite subtilité qui n'est pas expliqué dans la règle, mais que je donne pour des joueurs, comment pouvoir entrer n'importe où au premier tour dans la première colonne. Si je me suis débrouillé par hasard à avoir un jeton parrain et n'importe quoi, je peux en réalité rentrer dans n'importe laquelle des quatre premières, oui. puisque le parrain remplacerait la première imposée et la seconde devient le point d'interrogation. Je peux aller où je veux. C'est pas marqué dans la règle. Non. Pour les joueurs, mais les voilà. joueurs savent que tu mais peux un faire ça, joueur parce que fait... t'es pas con. Ben voilà. Mais bon, et j'ai vu deux, trois débutants qui hésitaient à faire ce jeu, qui n'y pensaient pas. En voilà. fait, c'est le contraire. Faut le dire aux gens qui ne jouent pas. Mais c'est ça. C'est un joueur sait tout, a compris tout de suite. Tout de suite qu'un joker, c'est. C'est ça, c'est un vrai. Un vrai joker. Voilà, voilà. Alors donc, on fait ce genre de choses. Et puis, donc je peux rentrer là si je veux. Bon, voilà. Mais je peux aussi. Et toi, tu peux bien sûr rentrer là en donnant la même paire. Les lieux, on peut être plusieurs. Par contre, je vais pas mettre deux personnages à moi dans la case, ça sert à rien, j'y suis. Okay. Et ensuite, surtout, mon bonhomme ne va pas se déplacer dans le même, au tour suivant ou dans le même tour. Si j'ai par exemple de quoi fournir ce qui est demandé là, c'est un deuxième bonhomme. Je vais mettre un deuxième bonhomme, ce qui est un moyen de rentrer dans la deuxième partie du plateau, bien D'accord. évidemment.
Et puis, par exemple, au tour d'après, je peux peut-être descendre là, ouais, en même temps que j'en rentre un autre ailleurs, ouais, et ainsi de suite. Tu prends... Voilà, on a autant de bonhommes que toutes les cases. Mais tout ça pourquoi, dis donc? Mais tout ça pourquoi? Eh bien, pour à recevoir les gains qui sont écrits en dessous. Au moment de la période des gains. Au moment de la période. Alors, pas tout à fait. Ici, c'est tout cela, ça sera en période de revenus. Premier tour, première phase du tour suivant. De l'argent, des plumes de quartier, des gemmes, des cartes d'indic, des cartes de corruption. Celle-ci, très 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 importante, 3 gemmes ou Zolar au choix. 3, 0, 2, 1, ce que je veux. Voilà. Donc ça, c'est tout de suite en phase. Les gains qui sont ici, ce ne sont pas des gains pour la phase de revenus. Ce sont des avantages pendant les phases de corruption. Ah oui, donc, on les utilisera à ce moment-là. Alors, on va les lire très simplement. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si le parrain se trouve sur la case 1 ou 2, alors je prends une gemme de ma réserve et je la pose dessus. Voilà. Là, c'est la même, mais à l'inverse. Si c'est sur la 3 ou 4, j'attends que la caméra soit dessus. Voilà. Si c'est la 3 ou 4, je pose une gemme dessus. Ici, c'est je pose une gemme si le maire est sur la case. Enfin, c'est-à-dire sur la case où le maire se trouve. Pardon, la phrase est... Oui, pardon, oh là. Pas le maire. Oui, enfin, quoi que le maire est corrompu, mais oui, bon, c'est oui. C'est ça. Je pose une gemme sur le parrain, grosse erreur de ma part. Okay. Ici, je pose une gemme sur l'une des trois cases où le parrain n'est pas, puisqu'il est barré. Oui, okay. Tout simplement. Ici, ça devient les super-pouvoirs. Les cartes qui étaient tout à l'heure, les cartes d'identité secrète, hein, c'est-à-dire celle-ci. Attends. Voilà, on a dit que celle-là ne permettait de placer qu'une ou deux gemmes. Oui. Dorénavant, là, on arrive à 3 gemmes par carte. Mmh. Voilà. Juste en dessous, c'est n'importe quelle autre carte. On était avec une limite de 3 gemmes. On passe cette fois à 4 gemmes possibles ou à poser ou à récupérer. Mmh. Voilà. Okay. Les deux derniers pouvoirs, celle-ci, très importante. Corromps à distance. Je corromps à distance. Alors, et on monte tout de suite celle-là. Je vais expliquer l'autre après, ça évitera que la lumière à ma bouche. Celle-là, ça veut dire que chaque fois que je paierai dorénavant, je paierai moins 1 par rapport au prix demandé, tout simplement. Okay. Et donc, je reprends celle-ci, je cours à distance, et là, j'ai besoin d'un zoom, cette fois sur le plateau, le sous-main. Facile. Et on prend un exemple tout bête. Imaginons que je pose la carte du juge. J'en ai mis 3. Bon. J'ai cette fois, je ne suis plus limité par le fait d'être directement vers un voisin, mais n'importe où sur la ligne. Ça veut dire que je peux très bien aller dire que je vais corrompre le suivant là ou là. Et puis, je peux régrainer à partir de celui-là, par exemple, là, sur cette ligne-là, et aller mettre le troisième ici. Ah ouais. Je ne suis que sur des lignes, mais je m'affranchis de la distance. Ok. Et ben voilà, on a les éléments. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir. Le petit jaune, là. Et ben voilà. Et alors, on a fait tout ça pour gagner des points. Parce qu'il faudra quand même savoir qui va gagner la partie. Ah bah heureusement, parce que juste là, je me disais, qu'est-ce que je m'emmerde. Ben ouais, alors, je te comprends. Pourtant, à l'époque. Ben alors. Hein? Non, point de victoire. Alors, comment on va gagner les points? Les points d'influence, bien évidemment. On va les gagner de plusieurs manières. On va les gagner, on vient de le voir avec les chiffres qui sont écrits là-haut. Du moment qu'on est présent, on a les points, tout simplement. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, pour avoir les points, on va compter devant soi. Alors, je vais en prendre une petite poignée, il n'y a pas besoin de bouger la caméra. On va la mettre devant toi, Fal, comme ça sera devant ta caméra. On va dire que pendant la partie, tu avais récupéré tout un paquet de tokens. Ah, tu les mets face cachée. Voilà, exprès. On arrive à la phase de compte, de points. Là, tu les retournes, c'est bon, t'embêter. Quelle mise en scène. Voilà. Oh, dis donc. Extraordinaire. Oh, bah alors. Hein, voilà. Ah, bah alors, comment je vous ai niqué? Ah, voilà. Regarde, comme ça. J'avais tout ça. Voilà. Voilà. Et là, bien évidemment, tu vas les mettre par série, t'as bien compris. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder deux choses. On va regarder d'abord qui est majoritaire dans ce type de quartier. Qui en a, et qu'on parle bien à nouveau de majorité stricte. S'il y en a un qui est majoritaire, on va lui redonner un petit token face cachée de plus. Chaque token visualisant un point d'influence, une victoire. Voilà. Donc, on va regarder dans chacune des 6 séries qui est majoritaire. Et deuxième chose, ensuite, on va regarder qui a des séries de 6 différents. D'accord. Voilà. Donc, chaque série de 6 différents, un point de plus. Là, toi, t'en as pas. Ouais, okay. Tant pis pour toi. D'accord. Voilà. Donc, qu'on visualise avec ça. Mmh. Ensuite, on va regarder à qui reste-t-il des cartes corruption non jouées. Parce qu'on a bien dit qu'on n'était pas obligé de les jouer, toutes ces cartes. Chaque carte corruption non jouée, un point. On replace un petit token face cachée. Voilà. Chaque carte indique non jouée, la rouge, un petit point de plus. Ensuite, dans le dernier tour, il y a des cases qui nous ont permis de replacer des gemmes sur des numéros qui ont déjà été tirés. Chacune des gemmes restant à sa couleur devient un point de victoire. Okay. Voilà. Après, on regarde les sous. Mm-hmm. Par paquet de 3 zoolars, un point. Un petit point. Okay. Voilà.
et les tokens non utilisés, un point. On additionne tout ça. Tous ceux qui sont visibles. On additionne, et celui qui en a le plus a gagné. Non, t'es trop fort. Oh putain. Ou alors t'as déjà joué un jeu qui ressemble. Ah peut-être. Ah, je sais pas alors. Ok. Voilà. On additionne tout ça et on sait qui a gagné. Donc, en cas d'égalité, on se départage à celui à qui reste le plus de gemmes dans sa réserve personnelle. Ça, c'est pour le premier joueur. Ça, c'est la voiture du premier joueur. Il me reste un petit point que j'ai oublié de préciser. Quand on finit la phase d'influence, je ne peux garder devant moi qu'un seul et unique petit token pour le tour suivant. Ça, c'est pas cool, ça. Mais c'est les autres, je les rends contre un jeton. Ah, quand même. Voilà, en cours de partie. Un jeton point de victoire, un jeton, jeton. Un jeton, jeton. Oui, c'est en cours de partie. Et oui, c'est en cours de partie. Voilà, voilà, okay. Voilà. On a tout ? Eh bien, je crois bien qu'on a tout. Oui. Bah là, là, t'as été, t'as été ce qu'on dirait exhaustif. Exhaustif. Oui, oui, là, j'ai essayé tous les détails. Il y a tout. Vraiment. Merci, Tonio. Ok, voilà. Je vais remontrer la boîte. Ouais. Parce que le mieux, c'est qu'on se fasse une petite partie quand même. Bah oui. Pour voir comment ça fonctionne bien et qu'on en goûte toute la saveur. Toute la saveur, voilà. Bref, que je te mette une tôle. Oh, si tu veux, voilà. Simplement, je suis là pour faire plaisir, moi. Vous savez maintenant comment fonctionne Mafioso. Oui. Mafioso, qui est l'édition française nouvelle de Louis XIV. Alors, ce n'est pas du tout la même esthétique. Hein. Ah, oui. Voilà. Toute une époque. Toute une époque. Voilà, maintenant, c'est le monde change. C'est un jeu signé Rüdiger Dorn, Mafioso. C'est un jeu de placement et d'influence. Je le rappelle, c'est à partir de 12 ans, parce qu'il y a quand même un peu de stratégie tactique. Oui. C'est facile quand même. C'est 2-4 joueurs. Les parties à 2 ne ressemblent pas du tout aux parties à 4. Non. Dans la partie à jeu, on simule un joueur. La partie à 2, il y a un troisième joueur simulé, mais on ne joue pas le troisième joueur. C'est juste qu'il place il place des gemmes déjà. Une partie est assez rapide, c'est 60 minutes quand on a l'habitude. C'est ça. Hein, voire 90 quand on est un joueur qui a mal à la tête. C'est ça. Parce qu'on a envie d'être analyse paralysie. Voilà. Ça sort quand et ça coûte combien ? Alors, logiquement, ça devrait être dans les boutiques la semaine prochaine. Ah, bon. Nous sommes dans un univers intemporel, celui d'Internet. Et oui, nous sommes le 16 avril 2017. Voilà. Donc. Allez, on rajoute 5 ou 6 jours, quoi. Donc, 20 jours. Le 21 avril. Voilà. Maxi. Voilà, allez, c'est ça. Bon. Le 21 avril 2017, avant le deuxième, entre les deux tours. Oui, c'est ça. Exactement. Intemporel. Profitez. Voilà, voilà. C'est avant que la France s'écroule. Oui, profitez. Voilà, voilà. Et puis, on pourra commencer à mettre des noms sur les mafiosos. Voilà. D'ailleurs, je précise tout de suite, si on doit sortir une extension, on prévoira dans les personnages l'assistant parlementaire. Exactement. Hein. Donc, voilà. Et ça va coûter combien 39,50, 40, voilà, selon les boutiques. Très conseillé, voilà, tout ça. Bien, merci Bernard. On se retrouve dans une petite TKV pour s'affronter amicalement, j'entends. Exactement. J'entends amicalement. Oh, bah, vous n'allez pas m'exploser. Il y a juste des pistolets entre nous. T'es vautré, ça. Alors, c'est pas que c'est un enfant venu avec ses parents. Ouais, hein. Voilà, c'est qu'il a mal au dos, donc il est sur une chaise je à boulettes. Je précise, voilà, c'est ça, exactement. Il y a un handicapé qui est reçu pour une fois chez Super Meeple. Il est temps de regarder ses caméras droit dans l'objectif et de dire tous ensemble « General ». General.